Il doit son nom au bois de Finge, célèbre pour sa pinède et son rhône sauvage. Mais le parc naturel Pfinfinge, c'est bien plus qu'une forêt. De Sierre à Gampel, il s'étend sur 12 communes. Ça débute à 4100 mètres et descend jusqu'en plaine. La richesse ornithologique exprime cette diversité. Symbole de cette richesse ornithologique, le guêpier d'Europe s'est installé dans les berges sablonneuses du parc. Revenu d'Afrique, le guêpier, comme le parc naturel, nous invite au voyage. Première étape, l'île Graben et ses aires d'Arizona. Bienvenue aux États-Unis, dans notre grand canyon, le grand canyon du Valais, je crois. L'île Graben est spectaculaire. On voit très bien l'énorme cirque d'érosion qui se trouve avec des falaises de plus de 1000 mètres. Ensuite, le chenal qui descend. Puis, tout ce cône de déjection, ce cône arrondi qui fait une autre richesse. C'est un paysage de haies exceptionnel. Torrent le mieux documenté et le plus observé d'Europe, l'île Graben, son érosion et ses laves torrentielles symbolisent cette nature en perpétuel changement. Deuxième étape, la vallée de Tourtemagne, ses lumineuses forêts de mélèzes et ses hameaux, aux frontières du parc naturel. Ici, je vous amène au Canada. On est à peine à trois quarts d'heure, une heure de Sierre, et dans un tout autre monde. On voit encore toute la puissance ici de cette vallée en U. On a l'impression que le glacier il s'est retiré seulement hier. La présence du tussilage en fleurs témoigne de l'arrivée très tardive du printemps dans cette vallée où coule la Tourtemena. Quand la canicule frappe la plaine du Rhône, les randonneurs peuvent compter sur la fraîcheur de la rivière. Dernière étape, le village de Tourtemagne qui se donne des airs de Tahiti. On va terminer notre voyage dans les îles, ici devant la cascade de Tourtemagne. C'est assez surprenant dans le parc naturel Pfinfinge. On a énormément de cascades. Et une des toutes belles se trouve ici, mais bien d'autres se trouvent du côté d'Aminona, dans la vallée de la Tièche, et tout le long de la descente de la Raspi qui va entrer vers Salgech dans le Rhône. Le parc naturel Pfinfinge, ses 450 km de sentiers pédestres, regorge de lieux insolites. L'exceptionnelle diversité de sa faune et de sa flore offre à ses visiteurs la garantie de voyager autour du monde.